en retard, donc je suis stressée. Et ça va être cool. On n'a que 6 heures d'avance alors qu'on voulait avoir 7 heures d'avance. On n'a que 2 heures. Super hôtel. Peut-être pas, tout simplement. Peut-être qu'on va dormir ici même, sur le sol. On filme le sol un peu. C'est ça, c'est notre paillasse. On a Koh Lanta ici, monsieur. Après 4 heures d'attente, nous voilà dans la navette pour partir au Gorgonis. Notre vol a été annulé, donc du coup on était dans un hôtel, dans un hôtel Four Stars Beach. Une remarque sur le repas? C'est bon, même si le poulet a l'air complètement bizarre. On va avoir un dessert. Il y a un dessert compris. Enfin, c'est surtout ça qui m'intéresse. Décevant. Alexandra, une petite update? Je suis moche, j'ai un énorme star. D'accord. Voilà quoi. Tu peux nous regarder, hein, peut-être? Oui, pap. Alors, attends, je cache mon bouton avec mon masque. 3, 2, 1. Regardez-le bien là, comme ils ont. Oh putain, l'objectif. C'est un personnage à part entière de cette histoire. Oui, il s'appelle Jeffrey. Je fais même pas le focus. Bon, donc là, non, c'est bon. Donc là, il est 5h, on s'est levé il y a 2h, à 3h, ça a piqué, mais c'est pas Mathis, pour prendre notre avion qui est à 6h. Alors Mathis, comment ça va? Ça va. Non mais dis, comment ça va mieux? Comment ça va mieux? Un petit rat musquet a des tout petits yeux. Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20. Franchement, ces vacances, le maître mot, c'est rinçage d'œil. A lot can happen. Oh non! C'est bon. When it makes you lose your bearings, some information's not for sharing. Entre tradition et modernité, Copenhague regorge de mystères. Notre appartement est juste ici. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. Après avoir pris l'avion à 6h ce matin, nous sommes rentrés dans notre Airbnb. Puis nous avons fait une fête. Et on s'est fait tout beau. Outfit. Welcome to Saint-Tropez. Thank you.
château de... Ça tourne. Alors là, on est au château de Rosenberg. Et j'ai fait une blague super drôle à la nana. Et en gros, il y avait un tarif pour les étudiants. On a dit qu'on était étudiants, sauf qu'on n'avait pas de carte étudiant, donc on n'est pas étudiant. Et du coup, elle m'a dit, j'ai juste besoin d'une preuve comme quoi vous êtes étudiant. Et je lui ai répondu qu'on était pauvres. Et elle a dit, ok, ça me va. Elle nous a fait blesser. Je pense qu'on va niquer le Danemark dans le cul parce qu'on va gruger à chaque fois et on va mytho notre véritable identité. Oh. Et voilà. Sinon, on s'aime fort et on va rester toute notre vie ensemble. Nous apprêtons à faire le musée national. Et j'ai eu la... Quoi ? Je sais pas si c'est national. Je sais pas si c'est national. Mais j'ai eu la bonne idée de récupérer les autocollants ici pour qu'on les mette sur notre torse et qu'on rentre gratuitement. Et en fait, ça se fout, la feinte, on va rentrer là-dedans. En fait, il fallait pas y mettre sur notre torse, mais il la met genre sur un endroit improbable, genre sur le coude. Comme ça, si vous le mettez pas sur le coude, ça veut dire que vous l'avez volé. Update, it's work. Jour 3 à Copenhague, il fait beau, les oiseaux chantent et nous voici avec la marmotte du siècle. Oui, là on va à Strøget. On va faire les magasins, on va aller dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et cet après-midi on va aller à Tivoli. Il y a Wolverine qui est passé par ici. Où? Et il y a Wolverine qui est passé par ici. Aujourd'hui, nous allons filmer les gens du Danemark qui sont stylés. Attention, ça va faire mal. 3, 2, 1, street fashion show. Alors monsieur, quelle chemise de type chemise portez-vous ? Combien coûte ton outfit ? Alors, Gucci shoes. 1500 euros. Non mais il parle français par Gucci contre. Gucci socks, 100 euros. Balenciaga shirt, 2000 euros. 2000. Supreme t-shirt, very minimalist, 400 euros. And Versace shirt, 800 euros. How much do you... yes. My glasses, Chanel. 4500 euros. 4500, c'est pas rien. My shirt, Jacquemus, 200. My pants, Jacquemus. Pas trop le choix de toute façon. Jacquemus, 319. My socks, this is Gucci, 15 euros. And my shoes, it's Decathlon, 24 euros. C'est bon là, je suis pas luisante. Ça va, ça. Pas trop grasse pour toi? Un peu, mais ça va. Encore une fois, douilleur professionnelle, c'est pas, on voit les tickets, 50 euros pour faire, pour avoir toutes les attractions, entrée, machin. Nous, on dit, on va pas mettre 50 euros pour une entrée, hein? Non, voilà, on va pas mettre 50 euros pour une entrée. Donc, on regarde sur TripAdvisor et on voit 67 euros les deux entrées multipass. Sauf qu'évidemment, l'entrée n'était pas inclue, c'était juste pour les rides sur les attractions.
Donc du coup, on monte notre petit billet, machin, et heureusement, on est tombé sur une dame un petit peu nouvelle et un petit peu... naïve. Naze. Naïve. Pardon, j'ai dit naze, mais naïve. Et du coup, on lui a dit, bah voilà, on a ça, on a acheté ça sur internet. Maintenant, bah, on vaut notre ticket. Et elle a dit, oh, bah très bien, bah, vu que je sais pas trop, et bah, je vous donne du coup l'entrée. Et du coup, on est rentré pour moitié moins cher. Là, on a le truc rouge, personne là, parce que tout le monde est pauvre ici. Personne là, petit billet, petit truc rouge. Et là, on a accès à toutes les attractions du parc et ces magnifiques domaines. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du Mariam. Laissez votre message, après je vous appelle. Merci. Merci, bye. Nous sommes jeudi, le jour 4 au Danemark, et la journée commence avec un petit pique-nique composé de chips, de salade de ravioli avec des saucisses. Il fait beau, les femmes sont seins nus, et il y a presque personne sur la plage. Talk to me about the men who try to get in between us. They buy you bags and jewelry, yeah. They think your kindness is so weak. No, you don't give it up so easy, baby. But you just wanted my attention. You just wanted my affection. You got me tattooed on your mind. You just want me all the time. We'll figure out, I shouldn't find a way. They say that you need space, I give you space. Girl, when you're ready, you know where I stay. François-Régis Cottery. Baudry. Vous écoutons. Alors là, on a un intermer parfaitement maîtrisé. Les saveurs sont complètement... les saveurs sont parfaitement équilibrées. On retrouve l'émulsion d'huile qui vraiment finit le plat. Il est caressé. On retrouve les petites herbes agrémentées de petites râpures de betteraves qui vraiment viennent tout rafraîchir le palais. C'est vraiment délicieux. Si c'est la régalade, ça n'y joue pas. Pour moi, c'est un sans faute. Pour moi, c'est un sans faute. Santé. Je pense que c'est une sauce à l'oseille ou un truc comme ça. C'est validé. Bah, c'était très bon, c'était très seglé. C'est du maître mot. Très seglé, très graineux. Par rapport au pont de seigle. Par rapport au pont de seigle, pour ceux qui n'ont pas la ref. On est un peu sur une vibe Top Chef, avec une acidité, amertume maîtrisée, un sucré salé plutôt équilibré également. Voilà, des petites touches par-ci par-là qui font que le palais s'ouvre et un peu s'éveille dans un monde nouveau qui est quand même la culture danoise. On dirait un tecos de tournage avec ton kawé là. Bah, très bon. Non, moi je mets un 10. C'est surprenant. Ça te pousse dans tes retranchements. Non, mais j'ai l'impression d'être hyper exigeant vu que j'ai mis 9,5. Bon, ok, je mets 9,7. J'ai pris des baffes, je me suis relevé. Pourquoi êtes-vous si beau gosse? Alors,
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est beau là! Il y a une belle lumière. Parcours! Parcours! D'accord. Donc Mathis, le bébé de 4 ans et demi, s'amuse dans son petit bateau. Parcours! Un peu épuisé, un peu pâteau. Dans un musée de déguisement incroyable, avec plein d'armes différentes. C'est assez fou. Des corsets, des déguisements vikings. Wow. Masque incroyable. Ah, celui-là est vraiment très impressionnant. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar, get the show on, get. On s'apprête à rentrer à Christiania, le quartier hippie de Copenhague. On pourra pas vous vlogger ça, parce qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Le quartier a ses propres lois, il a... c'est une anarchie quoi. Du coup on peut pas faire ce qu'on veut. Je vais vous quitter devant l'entrée. Christiana, après avoir bu deux bières et fumé de latte. Par contre, je suis un peu bourré, je crois. Les deux pintes en plein soleil, je pense que. Ok, la tox. Ok, la tox. Bisous, mamie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette journée pluvieuse? Des petites vacances au Pays Jax avec nos friends, mais voilà, un peu la flemme de rentrer, on est quand même vachement bien ici. Alors, nous avons ici un gros lardon. Essayons de fermer sa valise de gros lardon. Bon, on vient de ranger tout l'appart et là on va aller profiter de notre dernière journée à Copenhague et après prendre l'avion. Everything I want, I have. Money, notoriety in Rivieras. On est sur le chemin de l'aéroport. En allant à la gare, on a. Parce qu'il y avait un match Copenhague contre une ville à côté de Copenhague. Et en arrivant, il y a un train qui est arrivé et les mecs qui ont cagoule, jaune et bleu, qui ont commencé à s'exciter, à taper contre les vitres. Bon, mon avis, c'est que j'ai eu très peur parce que les mecs ils faisaient super peur. On aurait dit des animaux en cage, là, ils se secouaient et tout. On aurait dit le même de. Du Renoir, la coupe de grillage qui fait comme ça. Voilà. La valise n'est pas passée, elle faisait 20 kilos. Voilà, 20 kilos. Donc, au lieu de 15. Mathis a un pull, un t-shirt, une veste, un pull, une veste autour de la taille, enfin ma veste d'ailleurs. Machin, il a mis son pantalon par-dessus son short. Et puis moi, je suis ma veste, le livre dans la poche et mon sac à dos qui est. Voilà. Du coup, c'est bon, on l'a fait, on n'a pas payé de supplément, on a 3000 sacs, 3000 vestes sur nous, tout le monde s'en bat les couilles. Tchuss.
flash lobes of the pretty cameras, pretty cameras, pretty cameras. Am I glamorous? Tell me, am I glamorous?